La médiathèque et la ruche de Lénier Saint-Gervais vous présentent l'histoire de la Proxinelle, un album de Michael Escoffier et Mathieu Modet. Une lecture de Paul, Aurélie, Louison et Nicolas. Elle court, la Proxinelle aux grandes dents. Elle trouve une fraise, la Proxinelle. Elle trouve une fraise et croque dedans. Elle trouve une pomme, la Proxinelle. Elle trouve une pomme et croque dedans. Elle trouve une poule, la Proxinelle. Elle trouve une poule et... Stop ! Ça va pas, non ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Bah, c'est la Proxinelle aux grandes dents. Une Proxinelle avec des dents ? Et puis quoi encore ? Pourquoi pas une araignée avec un nez ou une grenouille avec des cheveux tant qu'on y est ? Oyou ! Et dis donc, pour qui tu me prends ? Tu veux que je me retourne pour pouvoir me croquer, c'est ça ? Salut poulette, tu tombes bien, j'avais justement un petit creux et je me demandais... Bout, 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 ah ! Oulou ! Oulou ! Eh mais, où tu vas comme ça ? Attends un peu, je cherche mon dentier, tu ne l'aurais pas vu ? Je l'avais posé au pied de l'arbre pendant ma sieste et à mon réveil, pouf, disparu. Ton dentier ? Premièrement, je vois mal ce que je ferais d'un dentier. Deuxièmement, connais-tu l'histoire de la Proxinelle ? Elle court, la Proxinelle aux grandes dents. Elle trouve un loup, la Proxinelle, elle trouve un loup et croque dedans. Et voilà, on s'est débat.